La tranquillité du petit Archie a un coût. La semaine dernière, un rapport officiel révélait que les travaux de rénovation de Frogmore Cottage avaient coûté plus de 2,4 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 2,7 millions d'euros. Dans le détail, la presse britannique révèle aujourd'hui que l'insonorisation de la bâtisse avait été la plus dispendieuse. Et pour cause, pas moins de 500 000 livres sterling ont été déboursés par la famille royale britannique pour permettre au prince Archie de passer des nuits apaisées. Il faut dire que le domaine de Frogmore Cottage est situé à quelques mètres de l'aéroport de Londres Heathrow, et les décollages et atterrissages sont très bruyants. Selon Daily Mail, pas moins de 1300 avions viennent et repartent chaque jour. Vivre dans cette maison sans l'insonoriser aurait causé bien des tracas à Meghan Markle et le prince Harry. Problème, le coût exorbitant des travaux choisis choque, et les Britanniques n'hésitent plus à le faire savoir. Les habitants ont dû payer. Les habitants de Windsor, dans le comté de Berkshire, n'acceptent pas l'idée d'avoir eux-mêmes payé les travaux, par le biais de leurs impôts locaux. Il n'y a aucune raison qu'ils ne se payent pas eux-mêmes ces travaux. Soit ils mettent la main à la poche, soit ils supportent comme nous le bruit pestilent d'entre eux. Interrogé par la presse britannique il y a quelques jours, le porte-parole de Meghan et Harry avait démenti les rumeurs qui affirmaient que l'isolation phonique avait coûté 1 million de livres. Elle a depuis été revue à la baisse, pour moitié. On your